Oh non, non, mais fais attention! T'as failli le casser! Mais on saute pas sur les lits, voyons! Allez, hop, tu descends! J'en ai marre qu'on me dispute tout le temps! Regardez, si on prend le ballon, on me dispute! Dans la maison. On fait tout chaud. Mais que tu fasses attention ou pas, c'est pareil, Hugo. On ne joue pas dans une maison avec un ballon. C'est un coup à casser quelque chose. Vous avez vu? Tout est comme ça. Mais c'est quoi ce bazar? Oh non, Hugo, tu vas commencer tout de suite ta chambre. Hein? Non, mais c'est bon, il y a pire. Non, mais Hugo, on dessine pas sur les meubles. Pourquoi t'as fait ça? Bah, je le sais pas, moi. Je ne pouvais pas me gronder. J'ai décidé de partir. Ensuite, la brosse à dents, le portefeuille de maman, et prêt pour le goûter. Je voudrais signaler la disparition de mon fils de 4 ans. De mon côté, la liberté, c'était trop bien. Mais maintenant, je veux la revoir. Viens avec moi, Hugo. Je te ramène à la maison. Oui. Bonjour. Je ramène un petit vagabond. J'ai eu si peur, Hugo. Mais pourquoi t'es parti, mon chéri? Parce que tu me disputais tout le temps. Bon, viens, je vais t'expliquer. Quoi? Mon chéri, si je te disputais tout le temps, c'est pour ton bien. C'est vraiment pas pour t'embêter, mon petit Hugo. C'est pour pas que tu te fasses mal, pour pas que tu te mettes en danger, mais aussi pour que tu comprennes comment on vit en communauté. L'éducation, c'est très important pour vivre avec les autres, tu sais. Tu sais, je t'aime, Hugo. D'accord, maman, je comprends. Je t'aime beaucoup. Bon, bah, j'ai compris. Maintenant, quand je ferai des bêtises, je serai discret. Abonnez-vous à la chaîne de ma maman. Elle est vraiment géniale. Et regardez mes vidéos. Maman, pourquoi les filles elles sont des zézettes et les garçons sont des zizi? C'est quoi un poisson? Pourquoi moi j'ai un petit sac et toi t'es un gros?